Cette année, c'est la deuxième édition de la Fête du Cours qui a été lancée donc l'année passée dans sa nouvelle version. Et avant ça, on parlait du jour le plus court qui était une opération qui avait lieu fin d'année. Le concept en tant que tel était super, mais ne fonctionnait pas très bien dans les salles ou même par rapport à des collaborations possibles avec les écoles, par exemple. Donc, on a revu un peu le concept et on a décalé l'événement au mois de mars en lui donnant plus d'ampleur, du coup, pour donner encore plus de visibilité au court-métrage. C'est une semaine de projection qui a lieu à la mi-mars, donc cette année du 15 au 21 mars. Et ce sont des projections qui sont proposées en ligne, en streaming sur notre site internet, mais aussi sur le site de partenaires comme Avila, Sooner et aussi Film Friend qui est le dernier arrivé. Pour la programmation en ligne sur fêtesducours.be, on a pris le parti pris de chaque année proposer une série de films gratuitement aux internautes. À partir du 8 mars déjà, on propose un programme spécial Bérengère-Macnise et ça comprend quatre films réalisés par Bérengère ou dans lesquels elle a joué. Et parmi ces quatre films, on a évidemment son film Matrioshka, mais également Air comprimé et Corps pur, ainsi que Bino et Claude qui fait une première en Belgique et qui est un film de Mélanie Laleu. Donc il y a ce programme spécial Bérengère-Macnise, la trentaine de films qui sont repris. Donc pour être précise, il y a 28 films qui sont repris dans les 7 programmes qu'on va proposer chaque jour. Et aussi cette année, et ça c'est une première, on va proposer 4 films pour le public scolaire et les jeunes enfants. Et donc là, ce sont des films pour lesquels on a contacté les réalisateurs et enfin, les réalisateurs et réalisatrices seront disponibles pour aller pour rencontrer les élèves en classe à la demande des enseignants. En termes de programmation, c'est qu'on a cette année pas mal de demandes de bibliothèques. On a des centres culturels qui ont proposé des séances et de manière générale, les cinémas subventionnés et des cinémas non subventionnés embrayent aussi sur l'opération. Donc on est très très content par rapport à ça. On est face à un constat, le court-métrage a difficile à trouver sa place d'une manière générale et est mal connu des publics. Du fait de son format court, il a plutôt difficile à trouver sa place en termes de diffusion dans les salles, même en diffusion sur des supports DVD, en télévision ou autre. C'est très compliqué pour le court-métrage. Donc ici, c'était une manière vraiment de mettre le focus sur ce format-là, sachant qu'il y a peut-être des diffusions qui se font sur l'année, mais ici, c'était vraiment l'occasion de lui donner cette mise en lumière, notamment dans les médias belges francophones.